Oh waouh, un jellyfish empaillé! Tigreton, c'est un nez bleu, ma mère! Oh super, dans le temps, j'avais juste pu m'en payer un, puis l'autre, je l'ai fait moi-même. Je vais me le faire poser, puis je vais enfin arrêter de tourner en rond dans la piscine! Nice! Dans un océan rempli d'étoiles, une petite planète remplie de plastique. Un couple des US est chassé pour désordre public. À côté, un pays étrangement trop gentil. Et un village accueillant rempli de mal-aimés. Le fils illégitime de Donald Trump, une expat jeune du Kentucky, un ado à la moustache molle non genrée, un enfant génie et albinos, une feu mamie qu'ils veulent garder, un lecteur de nouvelles pété, une sirène pas chic, un intello mythomane, un extraterrestre. Voilà le village de la dombe! Belle, si je comprends bien, tu veux faire l'autre bord de ton augmentation, ma mère, avec ce beau jellyfish empaillé? Mais t'as trouvé ça où, là? Un cadeau du ciel! OK, à vue d'œil, je suis pas arpenteur, mais je dirais qu'il sera pas de la même grosseur que l'autre. Pas grave, c'est gratuit! OK, je pourrais te donner un rendez-vous aussitôt que... là, maintenant! Parfait, OK! J'ai tellement hâte d'être belle comme Julie Snyder! C'est pourquoi j'ai décidé de donner à ma femme le poste de ministre du Revenu. Elle est la candidate idéale, son plus grand talent étant de dilapider ma fortune en chirurgie. D'un autre côté, regardez comment qu'elle est attachante. Un autre 300 000 $, puis elle va enfin ressembler, à ma fille. Oh, oh, je ne traduirai pas la dernière phrase. Mais ça parle de sa fille. Sur une date avec David Bowie! Le feu mamie fait important! M'avait fait poser une autre boule! Moi, dans mon temps, tu prenais ce que le bon Dieu t'avait donné, pis tu faisais avec! Ma soeur aînée avait 4 estomacs, fait qu'elle mangeait du gazon! Mais je pense que t'as juste grandi sur une ferme! Ouais, mais c'est nice, la chirurgie! Moi aussi, je veux des gros sourcils comme Marie-Pierre Morin! Bon, OK, d'abord, moi aussi, je veux de la chirurgie! Je vais me faire poser un crochet dans le dos! Je sais jamais où mettre mon manteau! OK. La chirurgie, c'est comme le sang ou un pouce! Ça donne vite mal au cœur! Dans mon temps, si tu te trouvais grosse, on te rentrait dans un corset. Pis là, t'étouffais. Le cycle de la vie. Oh. Aujourd'hui, c'est plus facile de se faire liposucer que de trouver un parking. Mais moi, je vais être comme une Kardashian. Être fière de poser tout nu. Pas être fière, pis courageux de se mettre tout nu sur Internet. Non, le courage, c'est de lire les commentaires. En manchette ce soir, est-ce que les médias sociaux mettent trop de pression sur les gens pour qu'ils soient moins lettres? Pour en discuter, on a un panel de personnes qui vont parler toutes en même temps. Moi, là, je veux juste pas qu'elle Mon opinion, c'est qu'on devrait s'accepter comme on est. J'ai une queue de poisson, puis je me magasine pas des jambes pour autant. Ariel! Avec vos faces, c'est pas une chirurgie qu'il faut, mais un miracle. Non, du gars en forme de montgolfière. J'essaie juste d'être honnête. Je vous dirais pas que c'est du ballonné quand c'est de la dinde. Avec ou sans chirurgie, je vous trouve tous vraiment dégueulasses. C'est-tu juste moi ou les influenceurs se ressemblent toutes? On devrait les appeler les influençables! Ah, t'es bien! Je magasine mon condo en Floride. C'est le grand jour, Belle! Vous allez enfin avoir 2 gros Kilimanjaro! Vous pouvez m'opérer, Jean-Claude! Oh, c'est pas moi qui opère! Comme tout bon médecin qui se respecte, je laisse le gros de la job à mon infirmière. Allô?
Ah, la fée pas de face. Je connais quelqu'un qui va passer sous le bistouri. Hey, c'est tellement un beau geste donner ses deux reins. Non, non, je suis ici pour me faire poser une grosse boule. Ah, OK, là, un rein, une boule, c'est la même affaire. OK, bon, one, deux bras de Calabra. Oups. Hey, c'est pas le gars des nouvelles, ça? Ah, je sais pas, je suis sur le buvard depuis mardi. Hey, personne n'est supposé savoir que je vends du rêve. Calme-toi, là, désolé. C'est juste que ma baguette est plus fraîche. Oh. OK, bon, one, deux bras de Calabra. Et qui fait pas ses 108 ans. OK, bon, là, ça va marcher, belle. One, deux bras de Calabra. Chiquito! Tadam! Voici votre maman 2.0! Comment vous me trouvez? Wow, t'es belle! Aussi sexy qu'une fille au Beach Club! Tu es magnifique! Tu aurais pu participer à Célibataire et nu! Maman, tu devais pas te refaire faire The Symbol! Ah, la chirurgie, c'est comme un sac de chips! Quand tu commences, tu peux plus t'arrêter! Moi aussi, je veux être cute! J'ai 14 ans pis j'ai l'air d'une graine! Si au moins je pouvais avoir du Botox dans les lèvres! Es-tu certain, Spatule? Parce que moi, la dernière fois que j'ai modifier mon visage. Ça l'a mal viré. Bon, je me sauve en mine de rien. Toute la dompe a pris des rendez-vous à la clinique. Ah, j'ai tellement hâte d'essayer mes nouveaux sécateurs. Nice! Savez-vous c'est quoi le truc pour pogner sans chirurgie? Se tenir avec du monde plus laid que doux! Mes amis! J'ai plein d'amis fantômes! T'as pogné-tu? Fantôme! J'ai pas d'amis. Maman! Voyons! Par où il est rentré, lui? La mouette, es-tu correct? Non, je suis pire qu'après mon dernier accident de pare-brise. J'ai payé pour me faire enlever les pattes doigts, puis à la place, ils m'ont mis ça! T'sais, ça va le pont! Ben voyons, tout le monde vire fou avec leur apparence, mais personne est fucké qu'on vive d'un décès! Facile à dire, mon petit paripanti, toi t'es un vrai dieu grec! Ouais, plus une statue de dieu grec qui est en bas d'un escalier! C'est pas vrai! Bon, 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 les enfants! Eh mais oui, moi je suis rendu trop belle pour avoir des opinions! Je vais sortir avec mes chums de filles! Je vais sortir avec! Oh my God! Belle, je suis content que tu sois devenu comme avant. T'étais rendu comme le curling. T'étais dur à regarder. Allô, les pop-pros! Ah, la fée pas de face. J'ai trouvé un vieux visage qui traînait à la clinique. Comment vous me trouvez? Oh. Ça, c'est courageux! Allô, c'est qui? Ben c'est Belle, des égouts! Mon chum, il voudrait les mêmes dieux que toi. T'es acheté où? Je les ai volés à Jay du temps. Pas vrai. Ben non, c'est pas vrai. Je les ai pris nulle part, je suis née avec. Là, arrête d'appeler aux heures pour tes questions creepy, là. Ben voyons, arrête cocher. Avoir donné son numéro de téléphone à quelqu'un un soir de bras, c'est avoir préféré donner ses bobettes. Comme si j'y demandais l'œil de Sauron.